Konyoso oyo balinga kolanda ba information ozana kozo za information ata réel talabiso Napoli Mboyo TV en tout cas ozo ba information ya solo na lobby ngamo pena na kati. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité. Plusieurs délinquants et bandits que les Kinois appellent Kuluna sont tombés dans les filets de la police. Les hommes du général Kasongo ont également mis la main sur un réseau de criminels qui a pour cible les conducteurs des taxis. Devant le commissaire provincial, ils sont passés aux aveux. Pour opérer, nous montons un scénario en envoyant quelqu'un chercher un taxi pour amener une personne souffrante à l'hôpital. Dès que le chauffeur vient avec sa voiture pour prendre le client pour la course, nous sautons sur lui, nous le ligotons et l'amenons loin pour l'abandonner quelque part et nous partons avec sa voiture. Nous avons déjà tué 4 chauffeurs. Chef, n'abissez pas bien la bandane. Nous opérons généralement dans la commune de Bandalungwa ou à Kintambo. Notre chef nous appelle, on s'installe dans une terrasse pour prendre quelque chose. Il donne 10 dollars à un de nous qui va chercher un taxi prétextant vouloir amener peut-être maman à l'hôpital. Et là, nous on vient, on opère. On est équipé des machettes et d'un fil pour ligoter et museler les chauffeurs. L'autorité policière de la capitale appelle les Kinois à la prudence face aux criminels qui changent des méthodes. La criminalité sera toujours là et la police fera toujours un effort pour l'endiguer. On fait un effort pour que la population soit calme. Vous devez savoir que les criminels aussi ont des méthodes. Ils sont en train d'étudier nos méthodes pour nous contourner. Nous demandons à la population de faire confiance dans leur police. La police est à leur service, mais ils doivent être prudents. Vous avez suivi les criminels, ils ont parlé en détail, ils ont dit leur modus operandi. Comment est-ce qu'ils opèrent? C'est pour que la population puisse savoir à l'avenir qu'ils ne puissent plus tomber dans ces pièges-là. Quand on demande un express, il faut prendre ces messieurs-là qui t'amènent sur la route principale. S'il va t'amener ailleurs, non, non, il faut refuser. Parce que cette bande n'a pas commencé comme ça. C'est son thé avec leur chef qui droguait les chauffeurs. Ils ont vu que les chauffeurs sont devenus prudents, ils ne veulent plus ces méthodes-là de boire, de manger. Ils ont changé.